Comment dessiner un chat mignon? Bonjour, c'est Soen de la chaîne Soen et Soen Junior. Aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils pour apprendre à dessiner un chat kawaii. C'est parti! Donc les gars, n'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Bonne vidéo! Donc pour commencer, on fait du coup le rond de la tête. C'est un peu comme la forme de l'autre chat, là, vous souvenez? Le chat mignon. Et on fait du coup le bas, comme ça. On fait comme ça. Attends, là je me suis un peu trompée. Faut pas faire des petites pattes comme ça, je sais pas comment je fais, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas la bonne forme. Il faut juste faire comme ça. Il faut enlever le trait. Enlever ça, faire un plus grand rond en fait, c'est ça que je me suis trompé. Voilà, comme ceci, là c'est parfait. Faut faire une espèce de bille sur un truc qui pose. Voilà, là on fait les petits traits pour voir pour les pattes, tu vois, trois petits traits comme ça pour faire les pattes. Hop. Puis on fait du coup le petit détail vers la droite. On fait la queue. Du coup on fait la queue, voilà, comme ça. Très simple. Comme ça. Maintenant, on va faire les oreilles. Donc on fait une espèce de triangle un peu rond, vous voyez. De quoi je vais parler. Et pareil pour l'autre côté. Donc ça, ce sera les oreilles. Maintenant, on fait les yeux. Donc ovale. Sauf que là, je les ai un peu mal fait. On fait comme ça, voilà. Des yeux comme ça. On fait le petit nez, là, mignon. Donc vous voyez, là, ça c'est moche. Mais si on rajoute des petits détails dans l'œil, hop, on fait ça comme ça. Et on colore dans l'œil. Vous voyez que ça change vraiment tout et c'est exactement ce que je voulais. Ensuite, on fait les petites moustaches trop mignonnes comme ça. Du coup, ça rajoute un peu de détails de mignonneté. Je sais pas comment ça se dit, mais ça, moi je dis comme ça. Du coup, maintenant on repasse au noir. On a fini le croquis, donc vous voyez, le croquis a pris 2 minutes 40. C'est vraiment pas beaucoup. Enfin, 2 minutes 40, je veux dire, ça a pris 2 minutes 40, le dessin en accéléré, sinon pour vous, ça a pris, je sais pas moi, 10 minutes. Un truc comme ça. Après, si vous n'arrivez pas, c'est pas grave, vous pouvez réessayer. Puis du coup, on repasse tout comme ceci, très simple, avec un noir. Alors on fait les petites moustaches et on continue à repasser. Du construit, on repasse les yeux. Hop, comme ça. Sauf qu'il est vraiment mignon, le petit chaton. Et on repasse du coup le haut de la tête comme ceci. Et on a fini le repassage au noir. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre du on va passer à la couleur du coup. On va prendre du orange et du marron foncé. Voilà. Du orange et du marron foncé. Et on va faire là je contourne les petites taches qu'il faut pas colorier dedans. Du coup j'ai oublié d'effacer, donc là j'efface. Voilà. Maintenant du coup on va colorier tout sauf les petites taches que j'ai fait là.
Ne vous inquiétez pas, je vous les colorerai juste après. Alors pour colorer tout, ah j'ai oublié de colorier le petit nid, mince alors, c'est pas grave, je vais le colorier, hop, comme ça, je vais effacer le petit croquis en dessous et voilà, on peut continuer. Donc on laisse des petites taches blanches dans l'oreille là pour faire que c'est l'intérieur de l'oreille. Ensuite là du coup on va directement colorier avec du marron foncé les taches. Mais vous inquiétez pas, là j'ai pris du marron clair sans faire exprès. Ils sont pas de trucs. Du coup je vais prendre du marron foncé. Et on va colorier du coup toutes, je vais les recolorier. Voilà, donc là, vous voyez, c'est beaucoup mieux. Donc, les gars, n'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci d'avoir regardé toute cette vidéo. Si vous voulez des conseils supplémentaires, laissez-moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine. Ciao!